In de lade van Guy Verhofstadt ligt nog altijd een manuscript, maar PS-boegbeeld Philippe Moreau heeft intussen zijn roman al klaar. Een detectieve roman is het geworden met als titel La soupière chinoise, vrij vertaald als de Chinese soepterrine. In het boek wordt, hoe kan het ook anders, de voorzitter van een politieke partij liever vermoord en Joris Keijzen zocht de 71-jarige debutant op. Vous savez, en amour, il y a le coup de foudre. Tout d'un coup, on voit une femme et on est fou d'amour. Et ici, c'est le coup de foudre. Tout d'un coup, comme ça, ça m'est venu l'idée, pourquoi pas écrire un roman policier. Et c'est mon épouse qui m'a dit, j'étais en train de rouler vers la France, mais oui, il faut y aller, il faut écrire. Et voilà, en 6 semaines, c'était fait. J'ai choisi un arrière-fond, vous voyez, le décor est politique. Et donc je mets en scène des présidents de parti dans une négociation qui est très difficile, qui ressemble fort à celle d'aujourd'hui, même si c'est dans un autre jeu politique. J'ai inversé les situations, par exemple, c'est les francophones qui ne veulent pas nommer un bourgmestre dans une commune wallonne parce qu'il est flamand. Donc j'ai fait l'inverse de ce qui est aujourd'hui. Je me suis amusé à faire l'inversion. Il y a peu d'argent ici, mais il y a le pouvoir et le sexe, oui. Il y a le pouvoir et le sexe, indiscutablement. Eh bien, je dirais 2 temps. Au début, c'est un peu dur. Les 2-3 premiers chapitres, je réécrivais. Finalement, après le deuxième, je dis, est-ce que je vais continuer? Et puis, vers le 4e, 5e chapitre, c'est parti, tout seul. J'étais ici dans mon bureau et je regardais l'heure. Je disais, les dossiers, est-ce que ça se termine? Que j'aille continuer, achever mon chapitre. Grande joie. Rue du Temple, c'était le siège d'un parti politique important. On voyait souvent sur les écrans de télévision un bâtiment moderne, incongru, apparaître furtivement au milieu de maisons de maîtres de belle tenue, dont certaines rappelaient l'époque Horta. Mais écoutez, c'est un lieu qui m'a inspiré, c'est pas un lieu réel, bien entendu, mais c'est vrai que le décor m'a inspiré, et c'est à cet endroit-là qu'on va découvrir effectivement que le président du parti chrétien historique a été assassiné, et toute l'enquête va commencer ici. L'inspecteur pensa qu'il pouvait prendre les transports en commun et descendre près du Sablon. Il débuta son enquête originale par une belle boutique située rue Ernest Allard. Mais la soupière chinoise, c'est en fait une soupière qui est avec un décor chinois. À la différence de celle-ci, qui est une vraie soupière chinoise, je pense, celle dont je parle, c'est une soupière de porcelaine de Tournai, mais il y avait des artistes qui imitaient remarquablement les décors chinois, et il y a une soupière de ce genre dans un de nos musées ici en Belgique. Est-ce que je vais écrire un deuxième livre, un deuxième roman policier? Ben, c'est un peu tôt pour le dire. On va d'abord voir comment est reçu celui-ci, et puis si l'inspiration viendra une deuxième fois.